Vous connaissez le point commun entre un ouragan, un typhon et un cyclone? Eh bien, ils désignent tous la même chose, une forte tempête comprenant de la pluie en grande quantité et des vents violents qui retournent les maisons et qui fait aussi faire le baptême de l'air aux animaux. Sacré vent. Alors pourquoi des noms différents pour un même événement climatique? Eh bien parce qu'ils se produisent dans différentes régions du monde, pardi. On se souvient notamment de Katrina en 2005, ou d'Irma et Maria en 2017. Et j'en sais quelque chose car j'étais en Guadeloupe pour ces deux derniers, et ça soufflait pas mal. Mais en termes de taille, ils n'étaient que des crottes de nez comparés à celui que je vais vous présenter maintenant, le roi des typhons, le Typhoon Tip. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui accrochez-vous à votre parapluie car on va foncer dans le plus gros typhon jamais enregistré en termes de taille dans les annales modernes. Le Typhoon Tip est un super typhon de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Cette échelle classe la puissance des cyclones en 5 catégories, la 5ème étant la plus puissante. Elle se caractérise par des vents atteignant plus de 251 km/h et qui provoquent une montée des eaux de plus de 5 mètres, ce qui endommage tout sur son passage. Mais ce qui différencie le Typhoon Tip des autres cyclones est qu'il est le plus gros typhon jamais rapporté en termes de diamètre et d'intensité. Il s'est formé en Micronésie et s'est abattu sur Guam et le Japon entre le 4 et le 19 octobre 1979. Son diamètre maximum atteint était de 2220 km au 12 octobre. Il aurait pu couvrir la moitié des États-Unis. À une centaine de kilomètres près, il était aussi grand que la planète Pluton. Un véritable monstre de la nature. Au plus fort de la tempête, les vents soufflaient à 305 km/h. Typhoon Tip a également provoqué des pluies torrentielles pour un total de 231 mm de précipitation à ses débuts. Il fit une centaine de morts et au moins 350 blessés. Il brisa même un cargo chinois en deux comme une vulgaire coquille de noix, et son équipage composé de 46 marins fut miraculeusement rescapé. En arrivant sur le Japon, la tempête diminua avec des vents soufflant aux alentours des 100 km/h en moyenne. Malgré cela, 22 000 maisons furent inondées, laissant alors des dizaines de milliers de Japonais à la rue. Il ne détient pas le record du typhon le plus meurtrier, qui est détenu par le cyclone Bola. Il a violemment frappé le Bangladesh en 1970, et a fait entre 300 000 et 500 000 morts. C'est colossal. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!